Bah ouais. Yo les goats, j'espère que vous allez bien. Il y a exactement une semaine, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'intitulait « La meilleure arme avec le car, machin », un petit pre-shot de la saison 4, à condition qu'il ne touche pas au kit et à la MCW. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont beaucoup joué sur les SMG, la Super E, la Horus, tout ça, mais ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas touché au kit et la MCW. Du coup, on va pas être ça aujourd'hui. Pourquoi cette arme est meilleure que les deux SMG, à condition de savoir l'utiliser? Il y a un grand malus avec l'arme et on va en parler tout de suite. Comment optimiser l'arme pour son but, on va dire? On peut la rendre plus agressive, on peut la rendre plus précise, mais ça, c'est une combinaison absolument parfaite. Donc, on va mettre le kit, 40 balles, canon lourd. Ça, déjà, ces trois-là, c'est absolument obligé, surtout en tactique, parce que ce canon, regardez, moins 50%, c'est ridicule, ce canon est phénoménal. Mais l'arme est quand même très difficile à être bonne en tactique. Donc, moi, j'ai mis poignée inclinée pour être sûr que c'est 100% précis et le laser. Alors, pourquoi pas le Razor Oak? Pour deux raisons. Le Razor Oak, il aide plus pour le tactique et le gros problème de l'arme qui est le transition de sprint au tir. Mais celui-là, déjà de 1, il aide pour une stat que j'aime beaucoup. On voit en haut ici, précision du combat rapproché en glissant. Donc un truc qui peut t'arriver quand tu es en combat. Si tu fais un cancel slide et que tu tires, tu seras plus précis. Une petite stat toute discrète, toute secrète. Et elle prend moins de place sur l'écran quand tu vises en tactique. Un petit peu moins. Toujours un petit peu, mais regardez si je mets le Razor Hawk. Ça peut être beaucoup plus chiant, beaucoup plus rapidement s'il y a des gars à droite de l'arme, tu vois le pantin. Donc c'est justement pour ça, je voulais quand même mettre un laser. Et celui-là, je trouve comme ça, tu vois, il bloque pas trop l'horizontale pendant que tu vises et ça gêne beaucoup, beaucoup moins. Donc regardez-moi ce TTK de cette arme-là. Je vais au coin du stand de tir et je vais tirer sur les pantins qui sont... Le gars, lui, là-bas, il est à plus de 20 mètres, hein. Et on est en tactique, les amis. Et regardez la vitesse où il tombe. Bon, le pantin un peu plus loin, évidemment, un peu plus dur. Mais vous voyez le bordel ou pas? Cette arme est parfaite avec ce setup. Mais du coup, comme vous avez déjà compris, son malus, c'est ça. La transition au sprint au tir, 162 ms, c'est vraiment nul. Genre, vraiment, vraiment nul. Je vais vous montrer à quel point c'est nul avec ce graphe. Donc déjà, de 1, en oubliant le sprint au tir, qu'est-ce qui se passe? MCW en bleu, vous voyez que clairement, elle bat la Horus et la Super E jusqu'à 20 mètres. Absolument génial cette arme, très très forte, mais son point faible c'est sprint au tir. Donc regardez, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur sprint au tir? Et ben voilà, ça augmente à 800 ms. Donc dans une situation où toi tu cours, le gars court et vous tirez dessus en même temps, et ben tu vas perdre. Tu vas perdre et c'est là la difficulté de l'arme. C'est pour ça que ça va pas être méta pour tout le monde. C'est une arme qui va très vite punir si tu sais pas prendre des lignes rapidement, juger l'ennemi un peu, le lire dans son jeu ce qu'il va faire. Si t'es pris par surprise trop de fois, et ben tu vas perdre. Même si clairement vous voyez que le TTK sur le sprint au tir est excellent. Mais c'est pour ça que c'est quand même la meilleure arme pour le car. Si vous êtes un joueur un peu plus, j'ai envie de dire, posé, moins agressif, si vous voulez vraiment une AR, cette arme est absolument parfaite. Et vous pouvez même la jouer en tactique de loin avec cette classe. C'est pour ça que j'ai pas fait une classe trop agressive. J'ai fait une classe en sorte que n'importe quelle distance, vous allez tuer un pantin 20 mètres. Urzikstan, là, on a tout, là. C'est parfait. Vous allez être compétitif de fou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont kiffer cette classe. Voilà, donc avec ça, j'ai joué le car. Hein. Déjà fait une vidéo dessus. Déjà fait une classe dessus. Et par contre, les gars, j'ai enlevé Irradié. Et j'ai mis main leste. Parce que le car recharge très lentement. Très, très lentement. Même si l'arme est fumée. Du coup, main leste, ça aide beaucoup. Voilà, après le reste, j'ai pas touché. Oubliez pas de jouer paré, les amis. Si vous jouez paré, je vous explique vite fait. Hein. Si vous jouez paré, vous pouvez sauter là-bas et le réticule, il n'augmente pas. Donc, vous pouvez littéralement sauter et être super précis à des gars qui sont super loin. Donc, s'il vous plaît, jouez paré si vous voulez jouer en tactique et sauter. Sauter, 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 les amis. Alors, pourquoi sauter, c'est important maintenant encore plus que jamais? Mais vraiment, écoutez-moi bien. Hein. J'ai ceux qui ont vu la vidéo sur la Horus, j'avais expliqué pourquoi elle est plus forte que la Super E dans les jambes, ok? La Super E dans les jambes, regardez, je vais mettre les jambes, c'est l'arme, une des pires armes Warzone. Regardez en rouge, on est à 800 ms de TTK, au-dessus de 14 mètres, à 9, c'est de la daube la Super E. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent, ah, je comprends pas pourquoi l'arme, des fois j'ai l'impression qu'elle touche pas et tout. C'est pour ça, c'est les jambes. Super E plus jambes, du caca. Donc, MCW, sautez. Voilà, même avec la Horus, sautez les amis, et vous allez être beaucoup plus fort. Voilà les goats, bon visionnage, je vous laisse deux parties de ce que j'ai fait avec Nian Fou. J'espère que la vidéo va vous plaire, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Il y a un gars qui a... À droite. Ouais, à droite, ouais. Bon, au shop.
Voilà, DN de mes couilles là. Ça va, je suis dans la zone d'opération. Ok, deux mecs qui ont drop là-bas en face là. Ok, un an. Deux, deux, deux. Ah, ok, ok. Vas-y, je les bait un peu. Ok, il y en a qui veulent, moi je bait. Mais ils meurent sur pote, gros. Ouais, je l'ai mis à terre. Ok. J'avais pas vu, je suis pas mal. Casse ses couilles, ça c'est sûr. Ah oui. Fuck. Il est mort là. Moi, un. Sans moi qui est, ça arrive. Oh putain, mais c'est toi, c'est notre team. Oh non. Ça me vise de l'autre côté, derrière toi, derrière toi. Il est en dessous de toi. Ouais, mais gros, il y avait l'autre. Pardon. Voilà. Vas-y, monte au-dessus. Il est toi là. Putain. C'est une blague. Le tunnel. Ouais, j'entends plein de pans en ce moment, mais. Waouh, ok. Il ne reste plus que vous, faites votre travail. Oh, ils m'ont éteint. Ouais, ils m'ont éteint à deux. Bah, ouais, je pose. Ouais, je pose à la boîte. Oh, y'a un jeton de goulag. Faut acheter le jeton de goulag, j'ai zappé gros. Où est ton pote à toi? Oh. Ah, t'es encore... T'es en bas, tu es en bas, je crois. Putain, oui, il m'a vu en plus. Ah, j'ai foiré. J'aurais bien foiré comme toi. Ah, le mec, il a pas pris une balle. Attends, tu te tu tires sur les gars de... En... Ouais. De loin. Ok, j'ai capté. Ouais, crack. Il est crack, il est crack. Il est l'autre, il est l'autre. Ah, ouais, merci. Objectif principal terminé. Attends, mais on peut pas être aussi bête quand même, si. Gros, ils ont mis des mines comme piège. Ouais. Tirer sur leurs mines, ils ont pété. Alors, c'est 4, je veux dire. Encore sur moi. Bande ouais. Bête à côté du choc. Mettre un drone vite. Vraiment lui déjà là. Et d'accord. Ah, y'a la frappe, sors pas. Il y a peut-être celui, non? Y'a un autre gars, non? Y'a un autre gars au-dessus, ouais. Allez. C'est Lodbrook, pas Lof, c'est le Ragnar Lodbrook. Ah bah oui. What?
mecs sont pas contents là devant moi. Bien joué, c'est eux. Ouais, un moins. Attention, le drone quitte la zone. Non, moi. Il a flair par contre. Ouais. Ça se voyait que c'était eux. Ouais, bah voilà. L'ennemi a perdu votre trace. Crac. Down là, le ping en haut. Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Ah merde, je me suis raté. Oh le con. Oh non, le con. En face, en face. Nice. Il est en dessous de nous encore, je crois. T'as une pierre ou pas? Non. Il y en a une là. Il va traverser, non? Fuck. Ah, je dois recharger. Touché. Faudrait que tu prennes deux drones, ok? Deux drones okay. Raise, j'en prends un, je le claque. Station de ravitaillement déployée. Fais un triple drone vite fait. Enfin, t'as assez pour une raise aussi, je crois. Auto-raise. Oh, nice. Si t'as une frappe en plus, vas-y. Hein. J'ai pris un drone, par contre, j'ai pas eu. Ok, c'est pas grave. Oh nice. Attends, je suis peut-être acheté des trucs pour emmerder tout le monde. Une fois, un truc, tu peux les acheter les frappes bizarres. Ouais, ouais. Crac en haut. Crac aussi, les deux cracks. Sur un toit, y'en a un. Je lui mets une frappe sur la gueule. Hein. Ouais, c'est trop belle la frappe. Ouais. Ah bah ouais. Sur moi. Il arrive fantôme. Je suis le gars en bas, il reste celui du toit après. Oh putain, je me bats du toit. Il saute, saute. Le gaz avance, nouvelle zone non, de sécurité établie. Il est sur toi, il est sur toi. Non, non, arrêtez, je crois. Let's go. Wait, what? Éliminez toutes les cibles dans la zone. Crac. Pas mauvais. Ah, putain, c'est JC. My mate. My mate. Ah, j'aurais dû m'en douter qu'il aurait fait ce move à la manette. Tu veux y retourner pour le tuer ou pas? Ouais. Il était solo, j'ai pas vu son pote. Non, il était deux. Merde, mais il va fucking chier. Le pote me fonce dessus là. Il est dans l'escalier. Mon tour d'être allongé comme il sait. C'est pas lui, je crois. Oh là là, mec. Le bordel.
T'es où? Ouais, tu peux me dire bien touché. J'ai eu l'autre, c'est bon. L'objectif est ah bah c'est... éliminer toutes les cibles c'est eux pris. Non? Ouais, c'est eux, allez. Ouais, fais ça. Nice. T'as vu ou quoi? Oh là, t'es sur moi, gros. C'est bon. Je vais sniper, fais gaffe. He's put someone else down me from miles away. Ah, he's not, he's close. Yep. J'y sais. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sympa ton arme là. Donc c'est W kit, ouais, elle est très forte. Ah, il arrête, c'est pour ça que tu l'as pas. Oui. Il est toujours là. Crac, crac, crac. Oh my god! Oh my god! Il y a déjà juste là. T'es sérieux là? C'est pas possible ce qui vient de m'arriver. Au revoir, ok. Vous, soldat, allez. Goulag de l'enfer. Oh, j'ai peur un peu. Préparez-vous au redéploiement. Crack le ping là. Il voit rien en fait, y'a pas de monde sur moi. Ah, il est où là? Tout le monde arrive en ballon en fait. Note, note, note là-haut. Ah, c'est GC, le chapeau. Ouais, bah je peux rien faire pour ça, malheureusement. Oh my god. Oh my god. Pourquoi? Et j'ai les deux là sur moi. Ouais. T'avais pas pu acheter un truc au shop là? I think it's MJ. Yeah, thermite coming up to them. À terre, à terre. Ah, il sait, ils autorisent, je peux pas. T'as pas de thermite non plus, rien? J'ai, j'en ai mis deux, je vais en mettre deux. Oh, for fuck's sake. They're coming up deep. Oui. Ennemi dans la zone d'opération. Ah, c'est son pote qui a sauté. C'est son pote le pont rouge. What the fuck, mec. Ah, crack le gars. Ah, c'est sûr, c'est mort. Et les gars sont morts évidemment là. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Thank you.
frag dans la voiture. Oh là, parce qu'il a pris gros le conducteur. Il me fait tirer du pont, gros, t'as vu? Il rota là. Y'a un gars dans la voiture ou pas? Bah, j'en ai un, mais. J'ai pris une balle de snipe à gauche. Ah, ça va. Terre à gauche. Chaud, ça tombe! Sur moi, sur moi, sur moi. Y'a une balle. Pas grave. Ça t'aurait. Vas-y, je te là. J'ai une fer après. Prends ton temps. Ouais. Nice. Là, je te ping un gars en retard. Là, regarde. Nice. Ça va mourir bien. C'est lui que tu tiens? Ouais, c'est lui là. Oh, bah donne-nous deux kills, vas-y. Casse tes couilles. Bah, c'est bien. Ouais, moi j'ai pas d'armes, moi je suis au bouclier. Ouais, c'est vrai. Putain. Allez, dégage. Allez, j'ai tué le dernier au. À la tourelle là. Il est au truc. Waouh, vraiment anti-fan, c'est une dinguerie. Bien joué, mec. C'est une dinguerie d'être autant tryhard. Regarde la killcam et tais-toi. Regarde la killcam, regarde la killcam. Je regarde. Quoi? T'as visé, t'as mis une tête. Non mais c'est un quickscope sur mon écran, gros. C'est juste que là c'est ralenti.